aujourd'hui je reviens pour une vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment et en fait vous avez été certains à me le réclamer et je vous avoue qu'en fait je mets du temps à chaque fois entre chaque vidéo de speed coloring parce que c'est pas les vidéos les plus agréables à filmer, c'est vrai qu'il y a plein de fois où j'ai envie de colorier mais je le fais de manière assez spontanée et après je me dis oh mince j'aurais pu mettre la caméra, ça leur aurait fait une vidéo speed coloring, mais là je me suis motivée, je me suis dit allez je vais faire un coloriage en speed coloring et à l'heure où je vous parle il est déjà colorié, donc j'ai choisi aujourd'hui de faire dans le tome 4 puisque je crois que je vous ai montré qu'un seul coloriage dans celui-là. Je vous mets la vidéo dans le petit i si jamais ça vous intéresse d'aller voir l'ancien. Aujourd'hui je vais faire dans la page 21. Il a été super rapide à faire. Alors dans les trompe-l'œil en général je mets à peu près une heure et dans ceux-là c'est plus 2 heures, 2 heures et demie, et là j'ai mis à peine une heure. Alors est-ce que j'étais ultra motivée? Mais voilà, vous allez voir que après une fois qu'on a fait le contour en noir qui est le plus long, les zones de couleur à colorier étaient vraiment très très rapides. Je sais que je vais avoir ce genre de questions dans les commentaires, donc pour ceux qui vont me demander si les feutres passent à travers, non ça ne passe pas à travers. Pour ceux qui me demandent avec quoi je colorie, je vous remets dans la barre d'informations la vidéo vers mon matériel de coloriage parce que voilà, c'est régulièrement que j'ai ce genre de questions alors que j'ai tout filmé et tout expliqué dans des précédentes vidéos. Et maintenant je vous laisse et on va y aller tout de suite. Thank you.
petit dernier du coup, est-ce que vous aussi vous avez été méga perturbée quand j'ai commencé à faire ça en bleu? Enfin, peut-être que vous aviez capté avant moi, mais moi au début quand j'ai fait les contours noirs, j'étais persuadée que c'était Sébastien. Genre vraiment j'étais persuadée que c'était Sébastien et je me disais mais je comprends pas parce qu'il n'y a pas de rouge dans les trucs en dessous et je voulais pas à la fois deviner, vous savez on a toujours envie d'essayer de deviner et là je me suis dit allez laisse-toi porter et quand j'ai vu que j'allais mettre du bleu mais je dis je comprends rien et voilà au final ça doit être dans la chanson, peut-être que je me trompe mais ça doit être sous l'océan quand il y a tous les poissons qui se mettent à chanter, alors peut-être que c'est pas à ce moment là mais en tous les cas voilà je le trouve plutôt cool, après c'est loin d'être un de mes préférés mais... J'espère que cette petite vidéo speed coloring vous aura plu. Je ne sais pas quand je ferai la prochaine, mais comme je sais que vous êtes quand même quelques-uns à bien aimer ce style de vidéo, faut que j'ai le réflexe d'installer ma caméra au moment du coloriage. Mais voilà, celui-ci c'était celui d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !